tu fraises ma chérie. On dirait même le bongo. En te regardant ta beauté me fascine. À moi les planètes, maman. Depuis mission d'anglais, mon aïeul. Non mais regarde, regarde, regarde d'abord cette... Allô? Coucou mon cœur. Oui, oui, je m'apprête là. Oh, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Moi aussi. Bon les filles, je vais vous laisser, j'ai un rendez-vous tout à l'heure. T'aimes toujours casser l'ambiance toi. Non mais je vous aime grave. Ouais. C'est quoi? Les autres, elles mangent l'amour, hein. Ah, les autres mangent l'amour, mais nous, on va faire comment? Mais tu vois, après, moi aussi, j'ai envie de manger l'amour comme elle. J'en ai marre, en fait. Ah, tant mieux d'être comme ça. Ah non, moi, je suis fatiguée aussi, et hein. L'argent, l'argent et d'abord, c'est la vie, l'amour, c'est qu'on a voulu. À Koufa. Et ma go, c'est bon, stop, mais que t'es belle! Merci, ok, j'arrive. Je suis là. Il arrive te prendre ici? Oui, bien sûr, il arrive me quoi, prendre. Quoi, il connaît ici? Oui, bien sûr, ah, il connaît okay, ici. Ah, ok, d'accord, ok. Elle est allée voir son chéri, chéri! Qui aurait cru qu'un jour tu retomberais amoureuse après tout ce qui s'est passé? Vraiment, et mon sugar daddy m'a écrit, désolée les filles, je dois vous laisser. Et moi, c'est l'argent d'ab. Ciao. Ok, peu sur toi. Ah oh, oui, c'est la base, hein. C'est la base, ouais. C'est encore lui. Ah non, lui aussi. Mais c'est qui alors? Inconnu? Vas-y, réponds d'abord. Allô? Allô? Je vois que tu t'es refaite une autre vie sans moi. Bah, je suis de retour. C'est lui. Suzy, il y a quel problème? Lui. Qu'est-ce qui se passe? Pas lui qui? Mais tu regardes quoi là? Il est de retour. Il y a quel problème? Lui. Lui qui? Pas lui. Quoi? Il a fait l'accident? Il est mort? Il est de retour. Qui? Qui? Calme-toi, calme-toi d'abord. Calme-toi. Calme-toi. Prends un verre d'eau. Calme-toi. Doucement. Souffle. Doucement. Il est de retour. Lui.
Lui qui? Mais parle! Arrête ça, mais parle! Ma chérie, doucement. Calme-toi, ma puce, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Mais moi-même, j'ai pas compris. Chérie! Calme-toi. Viens, c'est moi, c'est moi, chérie, c'est moi. Périmchou, chérie, c'est moi. C'est moi. Calme-toi. Elle a quoi? Elle a reçu un appel, je me dis que c'est toi peut-être qui a fait un accident. J'ai pas compris, elle a commencé à paniquer. Chérie, viens. Viens dans mes bras. Viens. Viens. Calme-toi, s'il te plaît. Mais elle a quoi? Je sais pas en tout cas. Calme-toi. Ne pleure pas, c'est fini. De partir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai pas compris. Elle a reçu un appel là. Moi, je me disais que c'était toi qui avais appelé. Ouvre-moi la porte. Non. Vois le gars là. Ouais. Quand je le vois vraiment, je suis pas d'humeur quoi. Pourquoi moi? Ah, toi tu connais, hein? Sa manière de se comporter, c'est pas ça. Ouais. Eh, mais, tu rends compte quand j'étais arrivé ici là? Au fait que traîner avec le gars là, c'est pas trop bon. Pourquoi? Mais parce que la plupart de ses coéquipiers, quand ils viennent ici là, ils finissent toujours par mourir. Ah bon, sérieux? Ouais, je te dis vrai gars. Donc j'ai préféré traîner avec toi, comme toi t'es pas trop bête, pour éviter de finir comme les autres. Donc tu viens de dire quoi? Non gars, moral, je parle pas dans un mauvais sens. Ah ouais, bien. Monsieur l'incroyable Hulk, même pas foutu d'attraper un simple bandit. Et là, il se change, il monte ses gros muscles. Il est tout mec et toi, t'es tout baraqué. T'as pas pu le choper. Non, mais je rêve. Vu que t'es à la salle. Non, sérieux, je marre avec toi, je te jure, je marre trop avec toi. Tellement t'es nul. Je sais même pas qu'est-ce que tu fous ici. C'était ce moment où on allait te renvoyer d'où tu viens. Parce que t'as rien à faire ici. Gardez-vous! Repos. Inspecteur Armand. Vous pouvez m'expliquer c'est quoi ce rapport? Mon colonel, je vous rends compte que moi personnellement, je ne maîtrise pas ce qui se passe en ce moment-là. Parce que tout en que nous faisons une descente au niveau du terrain des lieux du crime, les gars ont toujours une longueur d'avance, voilà. Effectivement, mon colonel. Tu t'entends parler, inspecteur Armand? J'ai besoin d'un rapport. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer ce qui se passe dans ce commissariat? Sergent Christian, un rapport. J'ai besoin d'un rapport. Mon colonel, sans pour autant me vanter, je pense sincèrement sur la mission que vous nous avez confiée à propos de la descente, j'ai pu capturer un des éléments d'Abdoulaye. Par contre, lui, je le suspecte d'avoir laissé filer Abdoulaye. Parce qu'il était complètement à sa portée. Et j'ai pas compris. Il est revenu me voir les mains vides. Sans Abdoulaye. Inspecteur Armand. Sergent Christian. Comment je dois rendre compte à ma hiérarchie? Inspecteur Armand, je pense que c'est pour la dernière fois qu'il y a ce genre de rapport assez négatif. Vous n'êtes pas ici pour ça. Sergent Christian, c'est valable pour vous aussi. Que ça soit la première et la dernière fois, il n'y a plus d'excuses pour vous. Plus d'excuses. La prochaine fois, quand vous effectuerez une descente,
Je veux un bilan positif. Je dis bien positif. Vous me recevez? Oui, mon colonel. J'espère avoir parlé aux humains. Repos et bon travail. Non, t'inquiète, ça va lui passer, t'inquiète pas, quoi, ça tu va. Tu penses que c'est à cause de moi? Non, je pense pas, mais t'inquiète, ça va lui passer. C'est comme si c'est moi en fait, je comprends pas. Il dit qu'il a toujours pas réussi la marchandise. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? T'es où? Il faut que tu reviennes vite là, il faut qu'on parle. Reviens à la base, on t'attend, putain. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Merde, ces derniers temps j'ai remarqué que depuis ce nouveau flic est arrivé ici, mes affaires ne marchent plus comme avant. Putain, T'as la police de l'an à la langue à la cima, bobo sana. Merde, Abdoulaye Amo, t'as confiance. Nengni a zong à tes héros. Mais je peux pas prendre les choses en main. Il y a les flics qui sont derrière moi. Bambilo, batika, bal, bal, n'a batika, n'a pas. La cible c'est mon symphonie qui l'a causé. À observation, le bien m'est comme un nouveau-né. Je traîne au ciel. Ok, bah tu y a pas le putain fort. Oh, Nini Kaka. Oh, Bobo, on gagne deux joueurs forts. Maman, tu as un peu de temps. Ah, tu sais, bah, il y a un peu de temps. Ah, tu sais, bah, il y Ya, chérie, ça va? Tu vas bien? Ah, ça va? Ça va et toi? Quoi, t'es dans le noir? Je suis fatiguée. Non, je... Arrête! Tu fais quoi? Arrête! Rien de grave. Non, moi j'aime pas quand t'es comme ça, tu sais. J'aime pas ça du tout. Je suis fatiguée. Et tu sais, peu importe ce qui s'est passé hier, t'as pas été dans cet état, hein. J'aime pas ça. Il est de retour, mais il sait pas là où on vit, tu sais. Quoi? Il sait pas là où on vit. Ça se voit que tu le connais pas. Ok, d'accord, ok, envers ça, t'as mangé ou non? J'ai pas faim. Quoi? J'ai pas faim.
Quoi, t'as pas mangé? C'est ma mère ou quoi? Toi, je me demande comment il a eu ton numéro, en fait. Tu le connais pas, apparemment. Non, arrête-moi ça. C'est pas à cause de lui que tu seras dans cet état. Ben ouais. C'est parce que tu reprends ta vie et après qu'il vient, Non, il est plus dangereux que ça. Ok, on va oublier la ressource qui sera pour le moment. Tu m'entends? Si, mais j'ai pas faim. En passant, on a fait venir au frigo. Donc, tu vas t'apprêter, on va faire un tour à l'épargne de machin, ok? C'est bon? C'est juste que j'ai pas faim. Et ça, pour moi. Le feu se tâche. Et après, toi, je t'aime pas. Je t'aime aussi. Ok, baby, traîne pas. D'accord. Toi, tu n'as plus de sujet à parler que la kiné là. Ah oui, mal, parce que je vois que tu as changé, mal. Tu es devenu amoureux. Eh, mal, moi, je t'ai pas connu comme mais ça. Mais qui est amoureux? Mal, moi. Bah, les amoureux, mal. Ah, moi, j'ai jamais connu des trucs comme ça, mal. Donc, toi, tu vas devenir amoureux. Mal, tu devais amoureux, mal. Bah, donc, tu es amoureux. Ah, mal, moi, je t'ai pas connu comme ça. Ah, pardon. Bah, les amoureux. Ah! Non, c'est incroyable, mais vrai. Ah, de soi. Non, je ne vais pas parler de toi. Man, mais reviens, man. Ah, amoureux. Bébé? Non, pas elle encore. Elle aime trop me contrôler, pourtant il n'y a rien entre nous. Ah, je suis mal barré aujourd'hui. C'est bon.
Pourquoi tu le distrais? Oh, regarde, toi on t'attend chez le styliste. On bouge. Man, je suis la maman. On bouge. C'est bon, j'arrive. On bouge. Dieu, c'est juste que j'arrive. Dieu, c'est juste que j'arrive. C'est bon, vas-y, j'arrive. Non, c'est bon, il va te distraire. Ah, ça te regarde. Bébé, y a quoi? J'ai une déception. J'ai un défilé ce soir, ça ne manquait que elle. Bébé, tu penses encore à cette fille-là? Regarde. Mais je suis là. Ah, s'il te plaît, on reste un peu. C'est bon, j'arrive. En tout cas, si je ne fais pas tout ce qu'elle veut, elle va me faire chier ce soir. Pourquoi tu veux pas dire à Karim? J'ai tellement une mauvaise mine que si je me ressaisis pas, je risque de très mal défiler ce soir. Le pire est que je n'arrive même pas à cacher mes émotions. Tu fais quoi ici? Mais je te demande, tu fais quoi ici? Bah, laissez là-bas pour venir traîner avec ses filles. Hé, ferme. Quand tu pars aussi. J'ai pas envie de perdre Karim, tu comprends. Mon ex, il... Je sais pas, j'ai... Tu le connais pas. Il m'a fait tant de mal, tu peux pas imaginer. Il m'a fait du mal. Karim, je l'aime. Je connais tellement ma personne que j'ai peur. Te rends compte? J'ai eu à perdre mon bébé à cause de lui parce qu'il me battait tout le temps. Je suis rentrée en dépression. Et Karim, il est venu bien après. C'est là que tout a changé. Et maintenant, tu oses me dire? Lui dire ça. S'il te plaît, sois à ma place. Je suis bien. On est très bien, Sylvie. Mais de quoi il est capable? T'as connu Karim au moment où t'étais en dépression, comme tu as dit. T'as fait connaître un mot. Karim, c'est qui cette pétasse que t'as écrit? C'est qui Suzy? Et je te demande, j'ai dit réponds-moi, tu blagues avec moi ou quoi? Dis de me répondre, tu me regardes comme ça? Elle a écrit, elle a dit quoi? Tu veux jouer avec moi? Tu es malade ou quoi?
Eh, monsieur, je t'ai dit de me répondre. Y'a quel problème, Ngué, là? Tu la fermes. Eh, ça, c'est femme. Eh, c'est pas moi. C'est qui? Elle je t'ai dit de me répondre. Elle m'a écrit. Eh, regarde. Ellie. Je t'ai dit de lire. Me regarde comme ça. Oui, tu rigoles. Karim, c'est qui? On verra. Mon frère, c'était qui? Chope le cours avant que le cours te chope. C'est un maître, toi. On change le prix de quoi? Oui, bonjour monsieur, je suis au bureau. Vous pouvez passer vers 12h. 12h, voilà. Soyez précis sur l'heure, s'il vous plaît. Allô, Aslaïmo, bonjour. Vous envoyez la compte par virement bancaire. Il n'y a pas de problème, madame. Donc ça veut dire qu'on vient dans les banques, quoi. Je vais voir, mais je vous confirme pas. Envoyez la compte aujourd'hui si vous voulez confirmer. Je dois gérer les. Non, monsieur Lassin. Il me parle d'un million. Un million, c'est quoi? C'est trop peu? Dis-moi. Dans la salle de réunion, là? Ouais, cherche. Comment ça, tu ne sais pas? Moi, on me cherche. Tu peux pas essayer de... T'as pas demandé c'est qui? Tu connais pas la personne, mais cette personne a eu accès au bureau de réunion.
Ok, bref, ok, je vais partir là-bas. Envoie-moi la ménagère. Elle vient un peu passer un coup de balai ici dans mon bureau parce qu'il y a un peu de poussière. On est en train de mettre la peinture dans mon bureau principal. Non, maintenant. Qu'on le fasse maintenant. Ok. Ça, c'est qui est parti dans le bureau de... Dans la salle de réunion. Comment la personne a eu accès? Allez, viens dans les bras de Yaya. Cadette, comment se porte l'entreprise familiale? Très bien, mais sans toi. Je vois ta maman occuper mon bureau. Tu voulais que je fasse quoi? C'est de l'audace. Du jour au lendemain, tu te barres. Et tu voulais que je fasse quoi? Je suis de retour. Ton bureau là, il y a même des araignées là-bas. J'ai foutu tout le travail. Je n'étais pas là. Parti, tu as fait ta best life avec les go. J'ai foutu tout le travail. À l'heure là, l'entreprise est là. Je suis l'aîné de la famille, donc... L'aîné? L'entreprise me revient de 3. L'entreprise te revient de quoi? De droit. Ok, et là tu viens récupérer quoi? L'entreprise, tout simplement. T'es irresponsable. Tu n'as rien. Quand tu vas calmer ton tempérament, tu viens me parler. Et puis, ton garde du corps là, qui se rapproche pas de moi. Incapable. Viens ici. Shekinah!